des endroits bizarres comme ça, j'ai trop peur qu'il m'arrive quelque chose. C'est hyper gênant, j'en peux plus, regardez-moi. Bonjour, bonjour mes saucissons à la saucisse, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va comme d'habitude. J'espère que ma dernière vidéo vous a plu avec Denizy. Et aujourd'hui on est avec Benoît, comme une queen. Du coup, pour ceux qui ne le connaissent pas en fait, c'est un TikToker en fait. Aujourd'hui, Benoît, tu vas me faire quoi? On va te déguiser complètement en femme. Tu vas un peu te travestir aujourd'hui. On va vraiment te make-upper quoi. Que tu sois lourde. Ah non, mais j'ai trop hâte. On va te faire un truc genre très queen, très... Voilà, j'ai trop hâte. Bah, restez jusqu'à la fin de cette vidéo du coup pour voir le résultat. Et en plus après, on va se promener dehors dans les rues, ça va être une catastrophe. Oh mon dieu, un petit défi de mode. Du coup mes saucissons, c'est parti. Et pendant qu'il va me maquiller en fait sur nos Instagram, en fait on vous a posé des questions que vous aimeriez bien savoir sur nous. Du coup on va répondre à vos questions en même temps. Du coup c'est parti. Première question, est-ce que toi tu te sens épanoui sur les réseaux, genre depuis que t'as commencé TikTok et tout? Ouais grave, genre je fais vraiment ce que j'aime et tout, surtout depuis pas très longtemps parce que j'ai rejoint une nouvelle agence et tout, je fais vraiment encore plus que j'aime, je propose plus de contenu de qualité et tout, mais ouais grave, de ouf. Ah ouais, ouais grave, enfin après il y a quand même des hauts et des bas tu vois, genre avec les agences et tout, ça te met des fois quand même la pression et tout, des gens qui veulent ton mal et tout, mais après sinon globalement moi ouais, je suis trop content. Y a, ouais c'est vrai, il y a des hauts et des bas, genre tu te remets tout le temps en question, genre est-ce que tu fais les choses bien, est-ce que les gens sont vrais avec toi, parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de de personnes fausses ou de personnes qui parlent mal, enfin bref. Bon maintenant on va partir sur du petit fond de teint, okay. Mais on va mettre une grosse couche parce que on fait quelque chose quand même de femme quoi. Ouais. En plus t'as un visage assez masculin genre. Mais du coup tu vas mettre combien de couches de fond de teint? Une dizaine. Ah ouais. Non. Non je rigole. Non on va voir. On va moduler. C'est ok ça marche. On va commencer doucement. Genre fossile. On va te mettre une perruque et tout. Une robe. Ah, une robe. Ou une robe tu vas voir. Mon dieu pourquoi j'ai accepté de faire cette vidéo là. Du coup là tu m'as fait juste là. Là j'ai fait la base genre le fond de teint etc. Et là maintenant on va partir sur l'anti-cerne pour cacher tes petits cernes et pour faire une zone lumineuse genre sur la zone T. Ok. Voilà, le front. Ça passe un. Ah ok il y a même des zones T et tout. Là on dirait un zombie. Tu trouves? Mais en fait, enfin un zombie et une beurette en même temps. Ok mes saucissons, du coup là il m'a mis le fond de teint et l'anti-cerne, c'est ça? Et maintenant tu vas me mettre quoi? Là on va poudrer le tout pour fixer tout ça. Voilà, on va mettre un peu de bronzer pour ajouter de la couleur. Ok. J'ai pas de blush mais on va se débrouiller, j'ai une palette. J'ai une palette, je vais la chercher. Alors moi ce que je fais. Ah quand... t'as la palette James Charles. Ouais, oui, on me l'a offert, c'est un cadeau. Quand je veux du blush et que j'en ai pas, je mets le rose fluo qu'il y a là. Okay. Mais en légère quantité, ça se mélange avec le fond de teint et ça fait un effet rosé, tu verras. Ah tu fais même des mixtures et tout Ah oui non mais si le make-up c'est de l'art, il faut mélanger. Il faut mélanger pour savoir faire la cuisine limite sur la gueule. Bref donc là on va poudrer le tout. Et ouais du coup toi t'as commencé comment TikTok en fait? Ben je me suis inscrit comme ça juste pour regarder parce qu'on m'a parlé de l'application. Je me suis inscrit comme ça. En fait la première vidéo que j'ai postée déjà elle a grave marché. Genre j'ai fait un duo. Ouais. Et après je faisais un peu comme tout le monde. T'étais encore sur l'époque Musical.ly ou pas? Non, j'arrivais il y a 11 mois. En 11 mois et là t'es à combien sur TikTok? 1,8 million. Ah ouais non c'est énorme. D'ailleurs allez les follow sur TikTok et Insta. Je vais vous mettre nos Insta et TikTok juste ici. Allez les follow, franchement elle est trop drôle. Chaterchefalite. Du coup c'est quoi ça? C'est de la lighter. Attends là tu viens de finir l'auto-bronzant c'est ça? Ouais l'auto-bronzant. Non mais tu connais pas vraiment le make-up, tu connais rien du make-up? Non mais non j'y connais rien. Ben non c'est le bronzer. Genre en gros c'est pour paraître un peu plus bronzé, pour assombrir les zones que tu peux creuser par exemple. Ma soeur genre, c'est trop bien. J'adore, t'es bonne. Du coup mes saucissons, prochaine question. Est-ce que vous tournez vos vidéos souvent très tard? Car là il est 2h20 quand même. Là il est 3h03. Là il est actuellement 3h03. Mais en fait déjà je suis venu tard sur Marseille. Et du coup on s'est vu un peu plus tard parce qu'il avait aussi des choses à faire. Mais oui, mais c'est qu'on est chou. Attends, ah ouais, non, on va abuser un peu plus. Parce que là tu sens on dirait les Asiatiques qui se maquillent hyper blanc et rosé. Ouais c'est vrai. Ça fait poupée. C'est beau hein, mais je préfère, nous on préfère les trucs Kardashian, les trucs abusés, les trucs quand t'es une queen ou quoi. Bref là on va commencer à maquiller les yeux. Donc pour commencer on va prendre ça. Si tu devrais choisir un animal pour réincarner, ça serait lequel? En gros si tu voudrais être un animal, un oula. Un chat.
un chat. Ils font rien, on leur donne à manger, on les nourrit, on les loge. On est trop mignons avec eux comme ça. Oh, il est trop mignon. On les caresse et tout. Et ils sont là, ils s'en foutent. Ah ouais, un chat. Moi j'aurais plutôt dit un chien. Parce qu'un chat, en vrai, ça sort, ça se bagarre et tout. Tu veux qu'on te dise assieds-toi, assis debout? Non, un chat. Bah après, si je suis bien nourri avec du pâté et tout. Ah oui, mais les chats aussi sont bien nourris. Du coup là tu mets quoi là? Attends. C'est de la colle, en fait c'est de la colle à fossiles que je mets. Là tu vas mettre des fossiles c'est ça? Voilà c'est ça. Vu comme ils sont longs. Bah mais du coup pour la vidéo et après je pourrais l'enlever. Non. Mais je suis obligé de mettre beaucoup de colle sinon ça va pas tenir. En fait ça tient juste 2 jours, t'inquiète. Après genre tu te douches une fois. 2 jours. Pas que je m'attrape une conjonctivite là ou quoi? Mais non. Non. Il ne cardache bébé. Il ne cardache bébé. C'est trop bon. Ah c'est super bizarre, j'ai l'impression il y a... Mais par contre, là, j'ai une araignée sur les... Tu vas t'habituer au bout de 15 minutes mais... En fait c'est quoi? Est-ce que c'est collé sur la peau en fait ou sur les cils? Sur la peau. Ok. Mais ça touche aussi les cils. Du coup mes saucissons, là on a fini les yeux. Dites-moi ce que vous en pensez du make-up là. Il m'a fait les fossiles là, j'ai grave peur. Ferme. Magnifique. Une star. Bon du coup mes auditions, là le... Comment ça se dit? Le gloss. Le gloss là ça a un peu pulpé mes lèvres et tout. Du coup on va passer à l'étape supérieure. C'est la dernière étape c'est ça? Voilà, là on va mettre le rouge à lèvres. Ok. Sur tes lèvres et après on va mettre la wig quoi. Bon du coup mes auditions, là on a terminé le rouge à lèvres. Dites-moi déjà ce que vous en pensez, attention. Je vais aller mettre ma perruque et la tenue et c'est parti quoi, vous verrez tout l'ensemble. C'est parti. Iconic. She's an artist. She is the history of fashion. Like no other designer. She's a legend. Modern. Graphic. She's explosive. Bref mes saucissons, voilà la tenue finale. Dites-moi ce que vous en pensez et tout. Moi franchement château, château, chevalier, je me trouve trop sexy. Et du coup là en fait on va sortir dans la rue pour voir s'il y a des gens qu'est-ce qu'ils vont dire quoi, la réaction des gens. Mais bon ça m'étonnerait qu'il y aura des gens vu qu'il est 2h30, non 3h du matin. Bon moi mes saucissons c'est parti. Au moins c'est un petit test pour voir en fait s'il y a des gens, en fait s'il y aurait une différence entre garçon ou fille quoi. Mais je sais pas si ça se remarque si je suis un garçon ou pas. Bah, en fait c'est vraiment féminin. Donc, au pire un petit coup de talon dans les boules. Dans les boules. Ah attends, le zizi là on le voit. Oh, oh non mais le zizi. Non mais j'en peux plus là. En plein milieu. On va aller acheter des petites sucreries. Bref, là ça fait déjà 15 minutes que je tourne autour pour chercher un petit supermarché qui est ouvert mais il n'y a rien du tout. Il y a juste des endroits bizarres comme ça, j'ai trop peur qu'il m'arrive quelque chose. Du coup je pense que je vais rentrer là. En plus il y a tout le monde, toutes les voitures qui passent, c'est hyper gênant. J'en peux plus, regardez-moi mon look. Bon bah vas-y on va rentrer là. Bon mes saucissons, du coup voilà la fin de la vidéo. Du coup dites-moi dans les commentaires si le challenge a été réussi et tout. Moi je trouve que Benoît il a été au top, vraiment il a su vraiment bien me maquiller. D'ailleurs dites-moi aussi dans les commentaires un nom pour ce personnage quoi. Moi je dirais Douchka ou vraiment un prénom russe. Douchka. Toi tu dirais quoi? Rachel. Rachel. J'avoue Rachel ça le fait grave. Oh non mais franchement il a vraiment hyper bien réussi. Dites-moi dans les commentaires si vraiment ça a été réussi ce challenge. Et voilà quoi. Et d'ailleurs je vais vous mettre la chaîne YouTube aussi de Benoît juste en description ici. Et je vais vous mettre son Instagram et son TikTok juste ici. Et aussi le mien juste ici. Du coup allez nous suivre quoi. Chator et abonnez-vous et mettez la petite clochette sur ma chaîne YouTube. Comme ça vous êtes au courant de toutes mes prochaines vidéos. Voilà, bisous. Bisous.